Aujourd'hui, je peux manger les mobs, vous allez voir, ça va être juste incroyable. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2023. Donc je compte sur vous les amis pour exploser cette barre d'abonnement. En plus de ça, tout est gratuit. N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne et mon travail. Et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Et bah allez, let's go, c'est parti les amis. Donc aujourd'hui j'ai installé un mode vraiment très spécial parce qu'aujourd'hui on peut manger des mobs. Ouais, ouais, vous avez bien entendu, on peut manger des mobs, c'est juste incroyable. Mais pour ça, et ben il faut tout simplement utiliser un item et ben spécifique qui se fait tout simplement avec et ben du fer. Donc bah écoutez, c'est ce qu'on va aller chercher de ce pas. Mais là j'ai vu une petite vache juste derrière moi, donc je vais m'empresser d'aller la tuer pour avoir tout simplement son steak. Elle est où? Elle a disparu. Oh bah c'est pas grave, regardez ça, il y a d'autres vaches ici. Et bah c'est parfait. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as besoin de viande de vache? Et bah écoutez les amis, ensuite avec et ben ce qu'on aura avec les mobs qu'on aura mangé, je vous en dis pas plus, on va pouvoir et ben créer des items spécifiques qui vont être juste incroyables. Et il nous faut une table de craft spécifique. Oh là là, mais j'ai tellement de chance, regardez-moi ça, du fer. Donc ce que je disais, et ben tout simplement, et ben on se prémunit en avance, on prend et ben les items qu'il nous faut pour faire cette table de craft. Ok, ça y est, c'est bon, on a notre pioche et ben en pierre, on va pouvoir et ben prendre le fer. Oh là 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 là, il y en a tellement. Oh là là, c'est incroyable. Merci le jeu, j'ai beaucoup trop de chance. Alors, il nous faut un tout petit peu de charbon. Ok, il y en a juste en face, ou il y en a juste là. Oh, un creeper. Oh bah c'est ce qu'il nous faut aussi pour faire la table de craft. Des gunpowder. Donc bah, on va s'empresser de le tuer aussi. Bon, si j'arrive à tuer le squelette, ok c'est bon, il est bloqué. Non, n'explose pas. S'il te plaît frérot, n'explose pas. Il me faut juste ta gunpowder. Ah, non, 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 non. Bon, et bah ça sera pour plus tard. Alors, on va prendre un petit peu de charbon, les amis, pour pouvoir faire chauffer ce fer. Et maintenant que c'est fait, et bah allez, let's go, hein, c'est parti. Ah bah j'ai pas assez pour faire un four, génial. Là, c'est bon. Alors, hop, on met le fer, et puis bah écoutez, on va attendre maintenant. Et ça y est, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Alors, hop, là, il nous faut des pépites. Et là, maintenant, on va créer la fameuse arme qui va nous permettre de grailler, et bah, tous les mobs. Et boum! Oh là 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 là! Oh, ça promet, le mob fork. Oh là 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 là, une grosse dinguerie. Alors attendez, je vous le lance. Oh bah en fin de compte, c'est un vulgaire trident, mais en fer. Ok, très bien le jeu, et bah y a pas de souci. Alors, et bah écoutez les amis, on va tester de ce pas si on peut manger, et bah des mobs. Et là ça tombe bien, on est déjà à peu près dans une petite grotte. Donc là, hop, oh bah lui on peut pas le graille par contre, hein. Oh, mais ça tombe bien. Oh, ça tombe tellement bien. Alors attendez, on va en tuer deux. Et on va en garder un en vie. Bah non, bah, mais viens dans le sens que... Voilà, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pouvoir les grailler, regardez-moi ça. Ah, ah, je vais mourir. J'ai mal cliqué. Alors attendez, vous êtes prêts? Boum! Oh là là, vous avez vu? Vous avez vu, je viens de le graille. Oh là là, incroyable. Est-ce que toi je peux te graille? Oui! Oh! Oh là 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 là! Regardez-moi ça! Je viens de grailler un zombie. Et voilà, ça y est. Ah! Ah, il y a un petit. Ah, il y a un petit. Oh, dégage. Tu me fais peur. Oh mon dieu, j'ai un cœur. Ok, bon. En tout cas, on a nos zombies. Eh bien, écoutez, là maintenant. C'est là que ça commence à être intéressant parce que je peux le graille. Regardez-moi ça. Oh là là, l'animation. Oh, incroyable. Je viens d'avoir régénération, résistance et absorption. Waouh. Et attendez, j'en ai encore un en main. Est-ce que je peux encore le manger? Oh, mais je peux encore le manger. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, et ça m'a donné des essences. Oh là là, magnifique. Et ben c'est avec ça, je suppose, que du coup, on va pouvoir créer les armes. Oh là là, magnifique. Magnifique. Alors attendez, on va faire un truc. On va remonter à la surface, les amis. Et on va aller chercher des vaches. Parce que oui, elles aussi, on peut les grailler. Ok, ça y est, c'est bon, on est à la surface. Et oh, il y a des vaches ici. Venez mes petites, vous allez passer sous mes dents. Alors, attention, parce qu'il y a un cooldown, bien évidemment. Et là, boum! Oh là 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 là, magnifique. Magnifique. Regardez ça. Hop, je suis en train de grailler une vache. Et ça nous donne quoi exactement? Ça nous donne, eh ben, la même chose que le zombie. Regardez ça. Ça nous a donné la même chose. Mais en plus longtemps, par contre. Et oh, on a eu une essence de vache. Oh, incroyable. Voilà. Alors, viens par ici, je vais te grailler. Voilà, c'est parfait. Encore une. Je vais encore te grailler. Ah, mais c'est trop bien. Là, j'ai juré, c'est juste beaucoup trop bien de pouvoir grailler les mobs comme ça. En plus de ça, l'animation est juste, mais trop bien. Ok, et bah parfait. On a assez, et ben, d'essence. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va créer, et ben, la fameuse table de craft pour pouvoir faire, et ben, des items custom avec ces essences quand même. Donc là, ça tombe bien. Il commence à faire nuit et il nous faut des gunpowder. Donc on va aller tuer. Et eh ben des creepers et non pas les manger. On peut aussi manger les creepers, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, vous êtes prêts? Il y a un creeper ici, et eh ben je vais le graille. Hop mon pote, eh ben alors. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien les amis. Oh là là, c'est une pure dinguerie. Et regardez-moi ça, je suis en train de le manger. Et oh, ça nous a donné speed. Oh,
Ok, d'accord, donc tous les mobs que je graille ne me donnent pas, eh ben, tous les mêmes effets. Oh, c'est incroyable. Oh, il y a plein de creepers par ici. Venez par ici, j'ai besoin de gunpowder. De gunpowder. Ok, là, ça va être compliqué de les tuer. Ils sont à deux en plus. Et j'ai des zombies qui sont derrière moi. Ok. Ok, 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 on a eu une gunpowder, ça serait bien que le creeper ne pète pas à côté, comme ça je peux la récupérer. Hop là, c'est récupéré, il nous en faut juste une deuxième creeper, et elle vient, boum. Ah bah oui, ça y est, c'est bon, c'est parfait, on a eu nos gunpowder, et bah là maintenant, on va pouvoir craft, et bah la table de craft. On va juste essayer de trouver un endroit un peu plus safe et, oh, un village, oh, ah, un trou. Ok, génial, génial, on vient de trouver de la nourriture, on vient de trouver un maximum de choses. Et puis en plus de ça, il y a une forge. Oh là 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 là, il y a une forge. Regarde-moi ça. Oh, what? Mais il y avait tout ce qu'il fallait pour faire pour faire le trident ici, mais what? Ok, bah pourquoi pas. Bon bah écoutez, hop, on est stuff, et bah c'est cool. On va rester ici, et on va faire la table de craft. Alors, et bah écoutez, c'est pas bien compliqué, il nous faut une table de craft. Ensuite, on met les viandes comme ça, on met les rotten flesh comme ça, et ensuite la gunpowder comme ça. Et là, boum! Oh là là, mock workbench. Oh là là, c'est incroyable. Regarde-moi ça, la table de craft de malade. Oh! J'ai beaucoup trop hâte de tester, et d'ailleurs on peut tester d'ores et déjà les amis. Et ouais, alors, et bah écoutez, on va tester avec ce qu'on a déjà. Donc là, et bah je sais plus comment on fait, voilà. Un levier, et là maintenant, c'est pas bien compliqué. On met deux trucs de viande de bœuf comme ça. On prend notre levier, et on met trois, et ben deux vaches. Et là, ça y est, c'est bon. Waouh. C'est quoi ce truc? Oh là 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 là, ça s'appelle le coiffeur. C'est incroyable, alors attendez, on va tester. Oh, 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 ça a changé le mob en vache. Oh, c'est incroyable. Et attendez, si je le tue, ça m'a donné des côtelettes de mouton. Waouh, incroyable. Incroyable. Alors attendez, j'ai envie de tester ce gun de vache sur notre truc. Attendez, est-ce que ça marche sur un mob hostile? Boum. Oh, mais ouais, ça marche. Incroyable. Alors regardez-moi ça, hop. Et ça nous donne de la rotten, rotten flèche. Voilà, ça s'appelle comme ça. Vous voulez quoi, vous? Boum, une vache. Oh, mais incroyable. Attendez, je viens d'avoir une idée de fou. Vu que tout simplement, ça me donne... Ouais, bah voilà. Voilà, c'est génial. Hop là, j'aurais dû faire comme ça depuis le début, hein, pour avoir des gunpowder. Ça serait allé beaucoup plus vite. Bon, toi, tu me saoules. Allez, dégage. Ah, elle veut pas. Ok, c'est bon. Wouh, c'est bon. Alors, il nous faut des creepers. Hop, on va les manger. Oh là là, je m'attendais mais tellement pas à ça, les amis. C'est une pure dinguerie là pour l'instant. Hop là, je te mange aussi. Voilà, et là on en a pile poil assez pour faire une prochaine arme encore une fois. Donc allez, hop hop hop, c'est parti, on va faire la prochaine arme. Donc là, c'est pas bien compliqué. Alors on va déjà utiliser la table de craft classique. Et là, il nous faut encore une fois un levier. Et là cette fois-ci c'est pas bien compliqué, on met ça. On met de la gunpowder comme ça. Et là on met, hop, comme ceci. Et là, oh, what? C'est un canon creeper. Oh là 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 là, creeper canon. Wow, 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 wow. Oh la dinguerie. La dinguerie, regardez-moi ça. Boum. Oh, ça lance des creepers. Waouh. Alors attendez, vous êtes prêts? Boum, 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 boum. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc? Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Boum. Bah alors mon pote. Bah alors on survit pas? Bon bah si, ils survivent. Ok, il est mort le premier. Bah le deuxième aussi, je pense. Waouh. Oh là 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 là, cette arme. Bah trop bien. Juste trop bien, les amis. Et attendez, j'ai pas vu qu'est-ce que ça donnait dans ma main. Waouh. Ça fait le prolongement de mon bras. Même ça fait mon bras, quoi. Eh bah écoutez, je suis choqué, là, pour l'instant. C'est juste beaucoup trop bien. Alors, on va passer à la prochaine arme, les amis. Parce que là, on a déjà tout ce qu'il faut. Ah bah non. Non, non, on n'a pas tout ce qu'il faut. Mince, je pensais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, dégage. Et bah voilà. C'est ici, on va pouvoir le récupérer. Hop là, alors, ce qu'il me faut c'est toi. Et viens par ici, boum, boum. Et boum, et ben voilà. Et là il me faut encore d'autres zombies. Mais là le problème, il va commencer à faire jour. Donc là, il va falloir que je les trouve rapidement. Non, s'il vous plaît, non. Non, que le jour ne se lève pas. Il y a un zombie là-bas. Il y a un zombie, reste dans la lune. Hop. Ok, on l'a récupéré, c'est parfait, il y en a un deuxième ici. Ah bah non, c'est un squelette. Ok, bah écoutez, j'espère qu'en le graillant, j'aurai assez. Ok, wouh. On a pile poil assez, les amis. On a graillé le zombie, et là on en a 9. Et bah c'est juste beaucoup trop cool. Et bah allez. Alors, et bah écoutez, pour la prochaine arme, c'est pas bien compliqué. Regardez-moi ça, on fait ça, et là, boum. Ah bah mince, on a même pas eu le temps de voir. Regardez-moi ça. C'est quoi? C'est une tête de zombie avec un casque. C'est quoi cette dinguerie? Alors attendez, what? What, 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 what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, c'est quoi cette dinguerie? C'est un zombie mineur. Regarde-moi ça. Il est magique. Mais il va tellement loin. Oh, je suis choqué. Donc là, t'es en train de me dire que si j'ai envie de se faire, je fais ça. Bah ouais. Oh, c'est trop simple. Oh, c'est beaucoup trop simple. Regardez-moi ça. Oh. Oh là 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 là. Magnifique.
magnifique, je kiffe. J'adhère comme jamais à ce mob, encore une fois. Au passage, les amis, hein, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces armes et de comment on mange les mobs, si ça vous fait kiffer ou pas, avec une petite note sur 10, et vous savez très bien que je réponds toujours à vos commentaires par un petit like et un petit cœur. Alors là, franchement, les amis, j'ai vraiment pas les mots, et puis bah écoutez, on va continuer hein, sur ça. Donc là, pour la suite, les amis, ça va être un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est pas grave, on aime bien le challenge. Là, c'est tout simplement qu'il faut aller chercher le Warden. Et après, ça sera le dernier mob qu'on pourra tester dans l'Overworld, parce qu'après, il y a les autres mobs qui se trouvent dans le Nether, et on va aller les chercher. Alors, on récupère les différentes tables de craft, et allez, c'est parti, on va aller chercher le Warden. Ok, ça y est, c'est bon, on est dans une grotte, les amis, on est retourné dans la grotte dans laquelle on était au tout début, et on a descendu, et là, oh, un Underman, viens par ici, mon pote, je peux te graille. Aïe. Ouais, voilà, c'est bon. Oh, incroyable. On vient de graille un Underman. Ok, par contre, là, je me fais taillader, comme jamais, par tout le monde. Oh là là, c'est incroyable. Vous avez vu comment je les graille, l'Underman? Oh là 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 là. Et là, on cherche tout simplement le Warden. Mais non. Je crois que j'ai trouvé, les amis. Oh là 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 là. J'ai trouvé. Alors, comment je fais pour descendre? Je ne sais pas. Hop, on va se protéger comme ça. Toi, dégage. Voilà. Ouah, mais la dinguerie. Alors attendez, il n'y a pas un moyen plus safe pour descendre? Ok, si, regardez-moi ça, je viens de trouver un endroit un peu plus safe, les amis, regardez-moi ça. C'est bon, on va pouvoir descendre. Ok, génial. Allez, vas-y, allez, apparaît. Il faut que je tue, tout simplement, le Warden. Enfin, que je mange le Warden pour pouvoir avoir une arme, spécifique après. Allez, viens, apparaît, mon pote. Je bougerai pas, j'ai pas peur de toi, même si je suis en fer. Oh! Oh, ça y est, c'est bon. Il est en train d'apparaître. Regardez-moi ça, les amis. Et là, hop! Oh, what? Oh, c'est incroyable. Regardez-moi ça. On vient de le graille. Oh là 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 là. On a la tête du Warden. Alors attendez, on va en grailler un deuxième. Tu es prêt, mon pote? 1, 2, 3. Boum! Oh là 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 là. C'est magnifique. Alors attendez, on va le manger. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Hop là. Waouh! Incroyable. Incroyable. Alors, s'il te plaît, frérot. Ok, c'est bon. On vient de le grailler. Allez, c'est parti, on va en grailler encore un dernier. Allez, sors bien de la terre et vous êtes prêts. Boum. On est nul. Ok, là, je pense qu'on en a suffisamment, les amis. Donc là, hop, allez, let's go, c'est reparti. On remonte. Il peut me tirer d'ici. Il peut me tirer dessus. Ah, non, frérot. Non, il m'a tué. Mais attendez, je savais pas du tout que le Warden, il avait une distance de tir aussi longue. Genre, j'ai monté 50 blocs en hauteur. Waouh, je suis choqué. Bon, en tout cas, on a ce qu'on veut. Regardez-moi ça. On a les têtes de Warden. Donc là, on va retourner dans notre gentil petit village. Et là, du coup... Oh là là, c'est le bordel dans mon inventaire, mais c'est pas possible. Alors, attendez, 2 minutes, laissez-moi 30 secondes, je fais le tri. Ok, ça y est, c'est bon. Alors, on va manger le Warden, du coup. Oh là 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 là, Warden essence. Et on a strength, donc force, et on a absorption. Et on a eu régénération un laps de temps. Oh, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, on peut d'ores et déjà créer l'item. Regardez-moi ça, c'est pas bien compliqué, c'est juste comme ça. Et là, boum! Oh là 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 là, c'est une épée, les amis. C'est une épée. Waouh, elle est beaucoup trop belle. Elle est trop stylée, l'épée. Alors, qu'est-ce que ça fait? Hit enemy inflict the darkness effect. Right click to use a weaker sonic. Ok, d'accord. Alors, attendez. Là, bon, je one-shot ce mob. Ok, le villageois. Alors, boum, déjà, c'est ça. Et là, il a weakness, normalement. Et là, maintenant, si je fais ça... Waouh! C'était quoi, ce laser? C'était quoi, ce laser? Attendez, on va retester sur le golem. Ouais, te mets pas devant, la vache. Attendez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, boum! Waouh, incroyable! Boum! Et boum, mon pote! Quoi? Oh, c'est bon, il te faut combien de coups? Ah, c'est bon, il est mort! Waouh, c'est incroyable! C'est incroyable. Alors, elle a plus 9 d'attaque dommage quand même pour une épée. C'est quand même pas mal. Waouh, je suis choqué, les amis. Et là, du coup, on peut manger l'Underman. Regardez-moi ça. Boum. Waouh, what? Vous avez vu ma vie? J'ai une double vie. Ok, on a heal boost, on a absorption. Waouh. C'est trop bien. C'est trop d'informations pour moi. Et écoutez, maintenant, il faut aller dans le Nether. Et là, on va pas s'embêter tout simplement à aller chercher du diamant, chercher de l'obsidiane. Pouf, vous avez rien vu. Faites comme si vous voyez rien. Je vous ai dit pas de regarder. Oh mon dieu, il y a un portail qui vient d'apparaître. Non, je déconne. Alors, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est Underman et Piglin. C'est bon pour vous? Ok. Et Blaze aussi, attendez, j'ai oublié ça. Mais il nous faut un Blaze aussi. C'est parfait, il y en a plein ici.
Oh là là, on est tombé dans une forteresse, les potes. Aïe! Bon, fais genre que t'as réussi à me tirer dessus. Et viens par ici, boum, voilà. Et toi aussi, viens par ici. Viens. Voilà, c'est parfait. Ok, bah ça nous en fait déjà un. Qu'on va graille de ce pas, d'ailleurs. Oh là là, c'est trop bien de manger les blazes comme ça. Regarde-moi ça. Wouah, et on a des essences de blaze. Alors, je vais sortir de cette forteresse et je vais aller chercher Piglin et Underman. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas nécessaire d'aller chercher des Underman. Regarde-moi ça. Oh là là, magnifique, magnifique. Il y en a un que je graille, voilà, comme ça. Et il y en a un que je tue. Eh, viens par ici, mon pote. Aïe, tu m'as fait bobo. Oh, yes, c'est bon, on vient de le tuer. Mais on a tout sur un plateau d'argent, les amis. Mais c'est incroyable. Eh ben, écoutez, il reste plus que le piglin. Donc là, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc allez, hop, 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 c'est parti. Eh ben, voilà, c'est bon, ça y est, 10 minutes de marche. Et ça y est, c'est bon, on vient de trouver la forêt rouge. C'est là où on va trouver tous les piglins, les amis. Donc allez, ben voilà. Allez, un premier. Hop, c'est dans la poche. Ouah, il y a tellement de sangliers. Ils font tellement mal. C'est quoi, moi aussi j'ai des armes. Boum, mon pote. Eh ben ouais, alors. Hop, deuxième piglin. Eh ben voilà. Et un troisième piglin pour la route. Et normalement, ça devrait suffire. Ah, viens par ici. Voilà, c'est bon. Troisième piglin. Eh ben c'est parfait, les amis. On a vraiment tout ce qu'il faut. On peut rentrer à la casse-bas dans l'overworld pour aller, eh ben, tout simplement craft les trois dernières armes. Et ça y est, c'est bon, on est de retour de du Nether. Et puis bah là, écoutez, hein, on va juste dormir avant et puis ensuite on va créer les armes. Allez, hop, 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 au lit. Alors, eh ben écoutez, on va commencer tout simplement par le blaze. C'est pile poil assez. Hop là, comme ça. What? Pourquoi ça fonctionne pas? Autant pour moi, c'est avec le piglin. Ok, ça y est, c'est bon. On vient de manger les piglins. Et là, cette fois-ci, on peut repartir. Et ça y est, c'est bon, regarde-moi ça. On vient d'avoir le bâton. Oh là 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 là, grâce au piglin. Et what? Ça fait des plateformes. Oh, c'est trop bien, regarde-moi ça, ça met de l'or de partout. Oh là 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 là. Est-ce que je peux changer le portail en or? Attention. Instant de vérité. Bah ouais. Oh là là, c'est beaucoup trop bien. Oh, regardez-moi ça, la dinguerie. Et attendez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? On peut faire un right click. Ok, d'accord. Bah écoutez, on va tester sur ce bon petit monsieur. Boum. Oh, what? Ça fait apparaître du diamant. Oh mon dieu, incroyable. Alors attendez, j'ai envie de tester sur un autre mob. Oh, le petit mouton. Boum. Oh, ça change. Ça change en fonction du mob. Oh, c'est trop bien. Oh, de la netherite. Le villageois, c'est la netherite. Le cochon, c'est quoi? Bah non, je l'ai raté. Attention, le cochon juste ici, vous êtes prêts? C'est de l'émeraude. Ah non, en fin de compte, c'est aléatoire. Ok, autant pour moi. Villageois, eh ben ça sera du copper, du cuivre. Et là, boum, encore du diamant. Wouah, c'est beaucoup trop bien. C'est une dinguerie ce bâton. D'ailleurs, je voulais pas montrer. Regardez, vous êtes prêts? Hop, petit bâton, ta-ta-la-la. Wouah, trop bien. Ok, là je viens de grailler les Underman. Donc là, on va passer, eh ben, à la prochaine arme. Et regardez-moi ça, il faut juste entourer, mettre une underpearl. Et là, boum, ça y est, c'est parfait. On a une super underpearl. Regardez-moi ça, elle est toute rouge. Elle est dark. Puis bah écoutez, regardez-moi ça, quand je regarde, je fais ça et boum, ça me téléporte. Et je l'ai toujours en main. Oh là là, c'est incroyable. Attention, sur l'arbre, non, c'est un peu trop loin. Ici, oui, c'est bon. Oh là 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 là, la dingue. Sur la maison, oui. Sur le portail, hop. Ah bah non, t'es pas vraiment sur le portail, ça. Incroyable, cette underpearl. C'est le truc que tu gardes, mais à jamais dans ton inventaire. Et là, pour créer tout simplement la dernière arme, il me faut tout simplement de passer en créatif, parce qu'il me faut des fireballs que j'ai complètement oublié de prendre. Donc bah écoutez, hop, ça ira plus vite comme ça. Et là maintenant, on se fait des sticks, hop, on met de la pierre, on se fait un beau petit levier. Et là maintenant, on prend le levier, on prend les fireballs et on prend les blazes d'essence. Et là, boum! Oh là là, oh, what? Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Oh, c'est incroyable. Par contre, il est gigantesque dans ma main. Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Right click, ok, tout shoot. Ok, bah on re-shoot. Oh, ça a enflammé le petit cochon. Oh, le pauvre. Oh, c'est dommage. Est-ce que l'arme, on peut le faire flamber? Attention, instant. Bah, je l'ai raté. Allez, on retente. Non, ça marche uniquement sur les mobs. Et bah, ok. Un petit chat. Oh, le pauvre petit chat. Je suis désolé, je t'ai tué. Un petit mouton. Boum. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Et ce villageois, on va se le faire. Oh, il trade. Hop là, mais on va quand même te tuer. Regarde-moi ça, comment il flambe. Il flambe, il panique. Il panique. Regarde-moi ça, il sait pas quoi faire. Hop. Eh ben, j'aimerais tes souffrances. Oh là 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 là. Eh, les amis, ces armes sont juste beaucoup trop bien. Eh ben, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Je vous rappelle, objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'année 2023. Donc, je compte sur vous, les amis, pour exploser cette barre d'abonnement. En plus de ça, tout est gratuit. N'hésitez pas aussi à lâcher un méga pouce bleu et méga commentaire. Et si c'est déjà fait, bah merci infiniment. Et bah moi, sur ce, je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Bye bye.